prendre la parole. Monsieur le procureur général, fait la cour de cassation. Avec tous les respects, je vous prie de bien vouloir prendre la parole. Mesdames et messieurs, le communiqué qui a été lu sur certaines chaînes de radio et télévision vous invite à venir, ou plutôt entendre le procureur général après la cour de cassation faire une communication. La dame, madame la responsable de ma presse, vient de vous signifier qu'il ne s'agit pas d'un point de presse. C'est une communication que nous faisons à l'intention de l'opinion tant nationale qu'internationale. Je suis le procureur général près de la Cour de cassation, ministère public civil au sommet. Je suis le maître de l'action publique avec compétence territoriale, donc sur l'ensemble de la République. Le ministère public étant un et indivisible, tout ce qui intéresse le parquet m'intéresse également. Je m'assume lorsque, par le fait des magistrats de rang inférieur, quelque chose ne va pas. Autant que je donne mes instructions à toute la chaîne, autant que ceux qui sont rattachés à toute la chaîne doivent se conformer à ce que j'ai dit. Le ministère public, c'est comme un arbre. Je suis au sommet, il y a des branches qui sont les parquets inférieurs. C'est comme qui dirait, on est sous le drapeau dans cette matière. La magistrature dans notre pays, peu de gens ne savent pas comment elle fonctionne. Nous avons un organe qu'on appelle le Conseil supérieur de la magistrature, qui est l'organe régulateur, qui s'occupe de la gestion au quotidien des magistrats. Mais il y a des embranchements spécifiques au sein de cet organe, le Conseil supérieur de la magistrature, qui veut qu'il y ait trois ordres juridictionnels. L'ordre juridictionnel judiciaire auquel moi j'appartiens, il y a l'ordre administratif avec le Conseil d'État, et il y a l'ordre constitutionnel avec la Cour constitutionnelle. Croyez ici que je vais parler juste de ce qui intéresse le parquet civil. Mesdames et messieurs, il y a quelque temps, nous étions dans cette salle. Nous vous parlions de l'affaire de la mort de Chérubin Okendé, ancien ministre des Transports et Communications, ancien député national. Il vous souviendra que nous avions tenu à vous donner l'information compte tenu de l'impact sur le plan national et international, compte tenu de tout ce qui s'est raconté et compte tenu aussi de cette mort qui était inattendue, et je le présume pour vous tous ici aussi, à l'endroit de laquelle nous avions eu beaucoup de désolation, parce que pour tout le monde c'était de l'inattendu. Nous avions voulu donner au départ les pistes que les enquêtes et les enquêteurs suivaient pour permettre à déboucher à une conclusion qui puisse être non seulement objective, mais incontestable. Donc, une conclusion sujette à ne pas donner droit à des colportages. Au jour d'aujourd'hui, ce jour, je me permets de venir devant vous parce que j'estime avoir les éléments nécessaires après tout le temps qu'a duré l'enquête. J'espère avoir les éléments nécessaires pour vous donner la conclusion en ce qui concernait donc qui a entouré la gestion de décès de feu Chérubin Okendé. La mort de Sieur Chérubin Okendé, comme je l'ai dit, ancien député national et ministre des Transports, remonte au 13 juillet 2023.
Elle a dû provoquer un tollé, comme je l'ai dit, de commentaires dans le sens divers. C'est ici pour moi l'occasion de vous redire qu'à l'époque, j'avais mis en garde tous ceux qui étaient en train de dire ce qu'ils voulaient dans le sens le plus divers. J'avais même invité tout celui qui détiendrait la meilleure information par rapport à la vérité que nous tous cherchions à pouvoir nous saisir. Qui plus est, il y en a qui n'ont pas entendu ma parole, ma recommandation, parce que j'avais mis en garde que quand on fait de faux bruits, publiquement ou sur les réseaux, ça s'appelle la propagation de faux bruits. Et ce sont des faits infractionnels. J'imagine, et vous le savez, il y en a qui en font les frais jusqu'à ce jour, parce qu'ils ont voulu dénaturer ou donner une information gratuite qui ne pouvait aider en rien l'avancement des enquêtes. Alors aujourd'hui, nous devons mettre un terme à ce genre de spéculation. Voilà pourquoi je veux me permettre d'aller droit au but en vous disant au départ que pour préserver à ce que nos conclusions soient univoques, soient objectives, nous avions voulu associer tel et tel vœu l'ensemble des experts venus de tous bords, non seulement nationaux, mais internationaux. À ce sujet, nous avons eu le concours du gouvernement de la République qui nous a aidés à faire venir des experts extérieurs qui sont arrivés de la Belgique et de l'Afrique du Sud. Localement, nous avons eu le concours de nos experts traditionnels, parce que nous en avons. Nous avons eu aussi recours à l'accompagnement de la MONUSCO et du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Voilà les équipes qui ont travaillé et il leur a été donné comme consigne de travailler non pas collégialement, mais en équipe. Autant dire qu'il y a eu autant de rapports. Et je vais vous dire que tous ces rapports émanant soit des experts nationaux ou experts internationaux ont convergé vers une même conclusion. Contrairement à toutes les divagations, toutes les hérésies qui ont été édictées, nous avons aujourd'hui, non pas plutôt la tâche de vous donner l'information objective. Je dis bien, elle émane de différentes équipes d'experts, tant nationaux qu'internationaux. Alors, dans le cadre des faux bruits, nous avons tous eu à le lire par le passé. Au retour de l'expert, c'était une dame belge, nous avons lu sur les réseaux qu'il aurait fait des déclarations. La pauvre, parce qu'il n'en avait jamais fait. Et ici, ça marchait bien sur l'étoile, les mauvaises informations. Il y a une année, j'avais traité de la liberté d'expression dans un état de droit. Nous avions énuméré un certain nombre d'infractions. Nous avons même milité pour que le législateur puisse réprimer davantage et sévèrement ce genre d'infractions, puisque la propagation de faux bruits peut amener à la révolte des habitants contre les institutions établies. Et là, c'est un risque énorme. Au jour d'aujourd'hui, je le répète, je suis rassuré parce que, au terme de toutes ces enquêtes, nous avons les conclusions en ce qui concerne la mort de Sieur Chérubin Okene. Il y a eu le recours aux experts et les expertises consistaient en la balistique, dans les télécommunications, dans l'autopsie avec les médecins légistes, ainsi que à la toxicologie, de toutes ces expertises qui ont atterri sur notre table, nous avions le rapport concluant suivant. Feu Chérubin Okende s'est auto-infligé. En d'autres termes,
Sieur Feu Chérubin Okende s'est suicidé. J'ai à ma gauche, devant moi, les procureurs de la République qui coordonnaient toutes les enquêtes que je suivais de très près, sous ma seule surveillance et direction, qui vous donnera les détails techniques que je vous demanderai de bien suivre pour que vous puissiez vous faire une opinion. J'imagine qu'ici, il n'y a pas que les dames et messieurs de la presse. Enfin, je ne m'adressais pas à la presse aujourd'hui, je m'adressais à l'opinion tant nationale qu'internationale, puisque cette affaire a connu la participation aussi des missions extérieures. Les détails par rapport à la conclusion que je viens de vous donner vont vous être donc donnés par M. le Président de la République, que j'avais chargé pour ce faire. Et vous pouvez peut-être vous donner la question, vous poser la question, pourquoi nous avons attendu si longtemps? Il n'y a pas eu question d'attendre si longtemps. Nous avons mené des enquêtes de manière méthodique. Nous ne pouvions pas conclure aussi longtemps que toutes les expertises ne s'étaient pas encore exprimées. Cela veut dire quoi? Que nous attendions les rapports des uns et des autres. Les Sud-Africains étaient les premiers à nous déposer leurs rapports et ils ont été ici en trois équipes. La dernière équipe qui a séjourné ici nous a déposé son rapport début décembre. Et c'est alors que j'avais instruit le procureur de la République de pouvoir procéder à la remise du corps à sa famille, étant donné que nous n'étions plus, ou plutôt nous n'avions plus besoin du corps pour pouvoir évoluer dans cette instruction-là. Alors, j'ai posé une question, pourquoi est-ce que ça a pris un peu de temps? Nous sommes allés plus loin dans nos investigations. Nous voulions aller plus loin et nous sommes en train d'aller plus loin. Et là, c'est le deuxième volet. Au-delà de cette conclusion de suicide, nous nous sommes intéressés à savoir quelles pouvaient être les causes qui ont poussé Sieur Chérubin Okende à pouvoir se donner la mort. Vous serez peut-être surpris de l'apprendre ici, mais au sein de sa famille, nous avons eu, et au sein de tous ceux qui pouvaient être à ces jours comme des présumés auteurs, toutes les interventions, toutes les enquêtes ont abouti à ce que nous puissions à ce jour dire qu'il y a eu des causes profondes. Et voilà la deuxième phase de l'enquête que nous allons chercher à découvrir. Je vous annonce seulement que, au-delà de cette mort, après que nous ayons eu la conclusion, nous avons ordonné d'autres devoirs consistant notamment à la perquisition du bureau privé du défunt. Il y a été saisi un agenda, son agenda propre, la perquisition opérée devant la veuve en sa présence, qui a confirmé dans ce que nous avons trouvé que 3 jours avant sa mort, Sieur Chérubin Okende avait écrit, je cite, « Je suis au bout du rouleau. » Son épouse, et c'est ça les enquêtes qui sont en train d'être menées, le procureur vous dira davantage, n'a pas caché que peu avant sa mort, les Dekuyus étaient très tendus, il était préoccupé, et c'était aussi le témoignage de tous ceux qui avaient été entendus, qui l'avaient approché, notamment son chauffeur, ainsi que celui qui pouvait encore être en prison aujourd'hui, monsieur son garde-corps. Donc, nous allons poursuivre les enquêtes, non pas pour connaître qui a été à la base, ou plutôt qui est l'assassin, comme l'auraient dit les gens, qui est le meurtrier, ou comment est mort Chérubin Okende, là c'est un volet tourné. Mais nous voulons savoir, pendant ce temps qu'on dit qu'il était préoccupé, qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Nous avons des pistes que je ne peux pas vous donner pour le moment,
mais nous avons des actes de procédure qui ont été lancés et des personnes sont présentement fugitives que nous recherchons parce que nous voulons connaître, avec les informations déjà en notre possession, qu'est-ce qui a été le rôle déterminant de ces personnes poursuivies en ces jours pour que les découvertes en arrivent à l'acte qui a été décrié par tout le monde, enfin, à cette mort tragique, et les conclusions futures pourront nous donner, selon que nous serons en mesure d'évoluer avec la technicité qui nous est propre, de pouvoir atterrir de la meilleure manière. Je ne vais pas vous prendre encore beaucoup de temps. Je crois que avec ce que je vous dis là, ce que je viens de vous dire, la conclusion, chacun va pouvoir juger avec les détails que va vous donner M. le procureur de la République, qui au quotidien a fait le travail sous ma supervision et ma direction. J'espère que vous n'aurez pas à tordre ce que je viens de dire, à déplacer les mots, à les tourner, à les retourner pour tâcher de me faire dire ce que je n'ai pas dit. Voilà, monsieur le procureur de la République, vous pouvez replacer vos micros, hein, parce que maintenant c'est lui qui va parler, pour qu'il vous donne les meilleurs détails par rapport à la conclusion que je viens de vous donner.